ككي انسان عادي. ونعرفوا باللي مدينه مستغانم مقسومه على شطرين، الشرط اوروباوي والشرط عربي اوتوكتون. ككي عاش في تجديد دون لو كارتي اوتوكتون كي اوبوزي à la citadelle qui était construite par les Turcs, où il y a la ville européenne. Donc, dans les années 40 et 50, la ville européenne s'enorgueillait, elle avait un théâtre qui a été détruit, elle avait un conservatoire, elle avait une philharmonie, il y avait des spectacles de théâtre qui arrivaient, donc il y avait un bouillonnement culturel à l'européenne. Qu'est-ce qu'elle opposait Tijdid sur le plan culturel? Tijdid, elle opposait Meddah, elle opposait Meddahat, elle opposait les Aïsawa, elle opposait les Alawa. C'est des traditions, c'est des chanteurs, c'est des chanteurs qui lui écumaient la place de Tijdid. Il y avait le cinéma Cinélux. Dans ce cinéma Cinélux, on passait les grands chefs-d'œuvre de l'époque. Et Kaki, étant jeune, s'est abreuvé à toutes ces choses-là. Mais il avait toujours l'esprit ailleurs. Il montait en ville et il voyait quelque chose agir. Une Sarah qui va agir. À l'époque, c'était une mesure draconienne. Et il surveillait sur tout le théâtre. Le seul temps qui était à l'époque était Syria. Donc Kaki a compris que sur le plan politique, il ne pouvait pas. Au niveau du texte, il ne pouvait pas être à la mesure de ses pensées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, une forme d'expression théâtrale où je peux faire passer des idées, des sentiments du peuple algérien. Et il a commencé à bouquer. Kaki li bou. Kaki ken yakra bzer. C'est la villa d'Yves Saint-Laurent. Christian Faure était d'origine juive et dans les années 50 s'occupait de prendre des jeunes Algériens et de les envoyer en vacances en France en disant ces deux communautés, il faut quand même les mêler maintenant. Et alors, elle avait loué une villa à Bouisville, une villa assez grande, où elle invitait des étudiants de hautes écoles parisiennes qui venaient passer un mois et demi ici, à une condition, c'est qu'ils fassent du théâtre. Et alors, nous avions le théâtre ici, l'été, tous les Algériens du village, les jeunes, venaient voir ça. Il y avait Kaki, dont vous aviez peut-être entendu parler, qui était un des metteurs en scène. Et le décorateur, c'était Yves Saint-Laurent, qui faisait les costumes. On était bien lotis. Le théâtre amateur d'époque. Oui. On était bien lotis ici. Alors, pour vous redonner l'ambiance, il y avait une ambiance comme ça. Un jour, Christiane dit à Kaki, tu flemmards comme les gens de ton pays, fais-nous un petit théâtre arabe qu'on rigole un peu. Kaki s'est vexé et il a fait une pièce du bas latin de Plot, qui est un auteur du 3e ou 4e siècle latin. La valise, non? La valise de La valise, tu vois, comme Plot. J'ai la mémoire. Quand même. Et la il authentifie ce que je dis, pour nous montrer que quand même la culture française, c'était pas des Grecs, ça. C'est bien pour lui, quoi. Et c'est à ce niveau-là que Kaki a commencé à faire des recherches sur la stratégie au début dans le cadre de la formation de l'acteur. Il est là, Ferrous, un homme, Smash Hour, Tilch. Et le comédien va s'exprimer d'une manière très chaude. Qu'est-ce qu'il serait pour le comédien algérien, Liandou, Smash Hour, Smash Hour, Tassouch? Avec la méthode stratégique, c'est à ce niveau-là qu'il a commencé à former un groupe, où le groupe
Ah non, j'y ai pensé pour... Vous savez, un homme, un femme. J'y manque. Venez. ذكرتوني بالإخوان عملنا معهم عملنا معنا رحمهم الله ماتوا سي اون غراند بين بو موا ميتي انصامبل سي لا فامي دي بيب دي تياتر اي نوتر بارتيسيباسيون او تياتر سي بور لو بيبل et pour l'Algérie. C'est un travail colossal qu'a Rahim Allah, qu'un insan abqari, le kitaba, le ikhraj, ou d'un ta ikhtar, ikhtar al-moumetli. Alash ikhtar al-moumetli, on a osra wahda. Gamin hayi wahed, taqriba n'goulou une famille. Il écrit sur mesure. Il écrit sur mesure le comédien. La khatra Allah ya'raf ce que vaut le comédien. Chil N'Golo, il avait une vision haute. Il a pensé, Afrique avant 1. Afrique avant 1, qui vient s'il te plaît. Il a pensé à l'unité africaine. Il a pensé à l'unité africaine. Il a pensé كان كاتب الله يرحمه محمد بودية الله يرحمه هما اللي جاونا بترو اللي كانوا يهضروا فيه كنا نبريباري كنا ننظموا المسرحية الشهيرة وطالب الاستغلال عقاوة صح علي قتلوه علي ظلموه اسمها ما درويش مازال كاين ناس وراك عندك الصح يا ولدي مازال كاين ناس وراي En octobre, le 31 octobre 62, puis la salle majestique, le premier spectacle de la cérémonie d'Inderet et l'Algérie indépendante. Puis il y a des invités de nous, Che Guevara. كان بزاف ما نجيبش انا نعقلهم كنا صغار شويه ولكن كاتب ايتي لا ومن هذيك الانطلاق لو غوفرنمون ككل قالوا لنا فوزات لتينا على كل حال قليل كل هذا قليل لخاطر ماذا بينا نشرح واحد اخر هنا في مصغاليم ولا ونكونوا واحد اخرين مادامنا فينا على قيد الحياة ماذا بينا لي جون هما يحبوا هذا المسرح المسرح لارتيست لوي مام سي ان ايديكتور إلي ارتيست مي ايديكتور كاتي الله يرحمه تي سي سكي مي بليزي اون لي سي سا يعني الانسان متواضع قلت لك كاكي سي تي لو تيب تري تري سامبل فهمتني اي تي تري تري سامبل اي ايمي بوكو لي جون اي ايمي يعني تو تيب كي يعني لو تياتر كي صاب بي راكونتي دي بلاك ولا جو مي رابيني با شو كي صاب تاع بلاك كان قاعد مع عند المصبر مارشو دو فوي ليغيم سيرتو ماتان فوي تا وجه وي الور تي صاب هذاك المصبر هذا وصار كونتي دي بلاك هو إلي تي بريزون باسكو يفيني سوفون ترو سوفون دابا Alors je lui dis, attention, j'ai une blague, mais après il y en a un pour une expression de l'intérieur, comme tu as dit, pour son bête. Il a dit, ouais, ah, d'abord, t'es roule, quand il voulait, t'es roule, Allah y'a rien à me dire.